Ça, c'est moi. Hier, on a enterré la vie de garçon de Tom, mon meilleur pote. Dans 30 minutes, il se marie. Et je ne sais pas ce que j'ai fait des alliances. Mais qu'est-ce que j'ai foutu hier ? Ah oui, Get Out. On a fait un escape game. Il y avait Martin, Amélie, Tom, ouais, c'est mon pote qui se marie, Rémi, Léa, et le beau gosse ici, c'est moi. Un mec nous a expliqué ce qu'on allait devoir faire. J'ai rien compris. Du coup, j'ai laissé les autres chercher. On est resté une heure dans la salle et on a fini par sortir. J'ai pas compris comment. Ensuite, on a enchaîné avec un laser game. Cette fois-ci, c'est moi le patron. Aucune pitié, je ne rate aucune cible et je fais un vrai carton. C'est vraiment un truc de bonhomme. Et c'est clairement fait pour moi. Enfin, presque. Bien échauffé, avec une furieuse envie d'en découdre, on passe au sport. Nous voici chez Cotentin d'Or. Ça tombe bien, c'est juste à côté et on fait tout à pied. Le type nous explique les règles, je m'en fous. Je passe, je dribble, je tire, rien ne m'arrête. Excepté mon enfoiré de pote. Ensuite j'ai mal au crâne. J'avale un cachet, deux cachets, trois cachets, la boîte. Et ça me revient. Il est midi, on enchaîne sur la fabrique. Charcuterie, burger et cocktail nous attendent. Cette fois, je ne peux pas perdre. Moi et mes potes, on se jette sur la bouffe et on n'en fait qu'une bouchée. On file à l'espace corbin où nous attend un peu de détente. Ça ne fait pas de mal et ça me permet surtout d'évacuer le burger discrètement. En attendant, je sais toujours pas ce que j'ai fait des alliances. Bah, je les ai quand même pas mises dans mon slip. Dernière étape de notre folle journée, le VNB. Allez, santé hein. Blonde, brune, rousse, elles y passent toutes. Je commence à être sacrément pété et je crois que les autres le remarquent. Mon pote me parle des joies du mariage. Putain, quel con. Il se casse et me confie les alliances. Je scotche, je fais le con. Seul avec l'anneau, je me prends un instant pour Frodon. Et en attendant de trouver mon Sam, c'est le drame. J'avale les précieux et ils partent retrouver le burger. Et merde. Voilà comment on a enterré la vie de garçon de mon pote.